Bonjour, je m'appelle Lionel et j'adore le modélisme ferroviaire. Je ne suis pas une science infuse, ni connaître tout, mais ce que je sais et je fais, je veux le partager. C'est pour cela que j'ai créé une chaîne YouTube qui se nomme Lonely Railway. Dans cette chaîne, je poste des vidéos avec des techniques et des outils adéquats. Alors si vous voulez louper aucun de mes tutos, matériel, commandes, etc., cliquez sur le logo en bas à droite et sur la petite cloche pour les notifications. Merci et à bientôt. Voilà, il se décroche encore, oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Allez. Putain. Bonjour à tous. Et à toutes et bon dimanche. Alors, avant que j'oublie, dans la dernière vidéo, je vous parlais d'une rotonde. D'ailleurs, elle est en dessous, là. Voilà. Elle est retournée dans son
dans sa boîte en carton, car je me suis trompé. Et pour les débutants, faites bien attention. Alors la rotonde, c'est une 12 pouces que j'ai pris, que j'ai acheté. Et le pan tournant, c'est 7,5 degrés ou 15 degrés. Et la rotonde, c'est 12 degrés, donc ça ne va pas. J'ai dû changer. Donc voilà, j'ai peut-être trouvé quelqu'un pour la racheter. Bon, c'est une autre histoire. J'ai recommandé une autre rotonde, marque Volmer, une 7,5 degrés ou 15 degrés. Voilà. C'était juste pour vous, tant que j'y pensais. Et surtout pour les débutants, de ne pas se tromper comme moi. Ensuite, je suis en train de faire l'extension, donc, qui par extension parle de rails, tout ça. J'ai un peu changé un peu ma façon de souder les rails. Enfin, il n'y a pas 36 façons, mais juste, voilà. Je les mets maintenant à plat. Comme ça, voilà. Comme ça, il n'y a plus qu'à mettre comme ça après. Et c'est nickel. On voit plus. Voilà. Bon, c'est la même, hein, mais... je trouve que je me fais moins... voilà, au lieu de le faire dans l'autre sens. Bref, j'ai fait ça là. Et j'ai fait le focus. Qu'est-ce qu'il a ? Voilà, et j'ai fait ça pour la courbe que je suis en train de faire. Voilà. Ouais. Je vous montre. Maintenant, je mets plus à côté de l'autre. Je mets où il y a un espace, où il y a... un plastique qui n'en a pas, quoi. Il y en a un tous les 3 ou 4 traverses. Comme là. Voilà. Donc je coupe un peu les petits ronds qui dépassent. Et je soude là-dessus le fil. Voilà. Ensuite, j'ai changé. Je mets plus du liège, je mets ça. J'ai remarqué que ça fait quand même du bruit, le liège. Et voilà. Donc on va essayer ça. Trackbed, vous savez, le produit de World Scenic, là. Alors on verra. J'ai acheté sur Amazon, il était à un prix très réduit. Parce que normalement c'est 15 euros. Je l'ai eu à 9 euros. Il y a longtemps que j'avais pris. Hein. Donc voilà. Je vais essayer. Et puis ils sont bien, ils sont découpables. Ils sont même déjà pré-découpés. Comme cela. Et ils sont bien même pour tourner. C'est sûr qu'il ne faut pas tourner en angle droit, mais c'est pas mal. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer comment je fais un peu pour faire les courbes sur mon réseau. Déjà, j'utilise des rails, des rails flexibles. Ensuite, là... le joint, si vous voulez, je le fais pas au milieu, c'est où je le fais là ou à la fin, mais pas au milieu parce que j'ai remarqué que c'était le bordel après. C'est pas propre et ça fait pas de belles courbes. On est toujours emmerdé, donc voilà. Donc j'ai utilisé le gabarit que je positionne et au fur et à mesure je cloue. Bien évidemment, avant j'ai fait des trous avec une mini perceuse. Très bien. Et par la suite, voilà, chercher. Et ensuite, j'avais acheté ça. J'avais déjà mis une vidéo hein, sur ma chaîne. C'est vraiment top. Hein, ça se met très facilement et ça garde le rail flexible de la position où vous le voulez. Voilà, je le mets bien, moi je le mets là, on peut le mettre au milieu du, vous voyez, des deux traverses, moi je le mets comme ça, il est bien fixe, il est bien à plat sur les deux. Et je serre tout simplement. Alors j'ai acheté une clé en plus parce que dans le petit set, il y a une clé Allen qui est fournie, mais pas une comme ça, donc je l'ai pris en plus. Et voilà. Et on serre. Voilà.
Tout simplement. Bon, après, j'ai mis un petit peu de travers, j'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu aller trop vite. Voilà. Donc, on appuie bien. Et voilà. Celui-là, il est mieux. Voilà. Mais ça tient quand même, hein, l'autre, hein. Voilà, et vous mettez ainsi de suite. Hein. Moi j'en ai quatre, j'en mets un à chaque extrémité. Pour bien tenir la courbe quoi, que je veux garder. Et j'en mets un autre là. Ça fait à peu près. Ouais, c'est équivalent. Ouais, allez. Normalement, ça devrait le faire. Je trouve que 4, c'est pas énorme. Ouais. Il faudrait que j'en prenne 6. Si vous en prenez, prenez-en 6. C'est 20 euros les 4. Et vous pouvez acheter encore 2 en plus. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, je vais. Allez. Oh. J'enlève les clous, hein. Voyez qu'il bouge pas, hein, le rail, hein. Et voilà. Impeccable. Donc voilà. Et j'ai mon rail flexible qui est. Voilà. Impeccable. J'adore le système. C'est allemand, bien entendu, comme d'hab. Voilà. Bon, bref, voilà. Et comme ça, je peux continuer. Là sera droit et après il y aura la courbe. Voilà. Allez, je poste ça avec le reste de ce que j'ai entrepris, quoi, que j'ai continué un peu ce week-end. Et voilà, tac, voilà. Et voilà. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, je reviens, je me suis mal exprimé, c'est que avant, je soudais en long. C'est-à-dire comme cela. Et l'étain s'est allé, ça fait que ça s'est allé sur le rail. Tandis que là, quand je soude comme ceci, ben il reste comme il est, quoi. La petite boule reste comme elle est. Voilà. Et je trouve que c'est mieux parce qu'après, j'étais emmerdé. À cause des traverses, tout ça, quoi. Je trouve que c'est mieux. Maintenant, chacun, hein. Mais c'est pas mal, regardez. Après, on peut mettre, voilà. La traverse comme ça, il y a moins de largeur d'étain. Voilà. Comme ici. Quand j'aurais mis l'autre et celle-là. Voilà. Voilà. Vous voyez? Pour l'aspect visuel, c'est plus propre, voilà. Après, bien entendu, ça se coupe, hein. Voilà, d'accord. Voilà. Donc voilà. J'ai fait comme vous avez vu dans la vidéo précédemment. Il se plie très bien à l'équerre, si je peux dire comme ça. Et voilà. Je préfère encore, j'aime bien cette solution là, elle est pas mal encore. Elle est presque pareille que l'autre, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Mais
Voilà. Allez. Voilà. Franchement, c'est top, hein. Et l'autre, il est où? Il est là. Voilà. Avec le ballast, on verra plus rien. Le trou, il est moins gros. Bon, ça met un peu plus de... Enfin, non, ça met pas plus de temps. Voilà. Vous voyez, après, il y a encore... Encore une traverse hein, qu'on peut jouer avec pour la régler. Après il y a l'église, mais après il y a l'outrail. Donc c'est pas mal. Voilà, comme vous le voyez, ben, il y a des trous, hein. Chaque fois aux intersections avec les rails. Donc ben je coupe des morceaux de traverse que j'ai mis de côté, que j'ai gardé à chaque fois. J'enlève les petits picots avec le cutter comme ça. J'arrive à les passer en dessous. Là, il est déjà fini. J'en ai mis un autre à côté. Mais ici, je vais faire celui-là. Donc, il y a à peu près 4 traverses qui rentrent. Et je coupe, vous savez, les petits picots qui tiennent le rail, quoi. Pour que ça soit bien plat. Comme ça, je peux les passer en dessous. Bon, après, je dois me servir quand même. Des fois, il faut monter le rail un petit peu, mais. En général, ça va assez bien. Voilà. Et ben, voilà, comme vous le voyez. Alors des fois, il y a le câble. Hein. Ou bien voilà, comme vous avez vu, j'ai pu. Et puis, ça fait pas mal. Voilà, vous voyez, ça fait propre. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Après, c'est. Voilà, c'est. On peut pas faire partout partout comme ça. Maintenant j'attends que ça sèche un peu, je vais passer avant de bah, comme il est tard, je vais passer un coup de bombe de peinture, celle-ci là, celle que j'aime bien. Et voilà, je vais faire ici là jusque que j'ai terminé quoi. Là je vais pas faire là-bas, pas encore parce que j'ai pas fait, donc je cache et je cachais aussi voilà, je fais pas tout hein. Comme ça demain, puisque demain elle sera séchée. Celui-ci il est bon, donc celui-là je mets pas non plus. Oh, allez là! Ah, j'ai pas d'ongle. Hein. Voilà. Voilà, c'est bon là. Impeccable. Je recommande une bombe. Voilà. N'a plus qu'à attendre que ça sèche. Comme ça, je le fais. D'aller au lit. Oh, pardon. Et comme ça, j'aurai de quoi faire demain. Parce que
Ouais, j'ai continué là. Faut que je continue le ballast, là, j'ai encore pas mal à faire. C'est un peu le bordel, mais je suis en train de voir ça. J'ai fait un petit plan dans ma tête et j'ai réussi à le reproduire sur le papier, donc voilà. Parce que ici, voilà, je suis en train de continuer ici, voilà. Allez, sur ce, bonne nuit, à demain!